Je m'appelle Louis Moras, je suis directeur design pour les véhicules utilitaires chez Renault. Pour renouveler cette icône du véhicule utilitaire chez Renault, on a voulu un nouveau Master impressionnant sous tous les angles. Donc on a voulu avoir une face avant très reconnaissable dès le premier coup d'œil dans le rétroviseur sur l'autoroute. L'attitude générale du nouveau Master, c'est vraiment l'American Truck. On a un capot qui est horizontal, une face avant très verticale, une grille de calandre qui est énorme, des phares LED à l'horizontale et un bouclier qui est vraiment très, très robuste. Et évidemment, il va porter la nouvelle identité Renault. De profil, avec le pare-brise qui est beaucoup plus incliné et la chute de pavillon, on a montré qu'il y avait une optimisation aérodynamique du véhicule. Sur le côté de caisse, on a aligné les poignées de porte et le rail, et ils sont encastrés. Et on a beaucoup sculpté le côté de caisse, qui donne beaucoup de robustesse et beaucoup de qualité perçue. Sur l'arrière, on a voulu avoir un effet coffre-fort en encastrant les portes avec les resserrées latérales et du pavillon. La planche de bord, grâce à son grand écran et l'accessibilité de toutes les fonctions, on a une ergonomie vraiment de premier ordre. Et on a des rangements, 135 litres de rangements qui sont dispersés un peu partout dans le cockpit et dont certains peuvent être fermés sur le dessus de planche de bord. Pour l'usage au quotidien de nos professionnels, on a conservé la fonction bureau mobile. Avec les nouvelles selleries, on a un confort de maintien et une durabilité qui est à toute épreuve. Pour finir, sur la zone de chargement, on a vraiment porté une attention particulière sur la qualité des tôleries et la qualité des ouvrants. Et donc, nouveau Master est vraiment pratique pour toutes les situations de nos clients professionnels. Je tiens vraiment à ce que chaque client professionnel se dise en voyant le véhicule, « Wow, ils ont vraiment fait de la belle ouvrage ».